Ben, pendant les fêtes de fin d'année, on a eu les fêtes de famille. Et puis, à Nouvel An, j'ai été danser. Les enfants sont partis encore de ski. Voilà. Nous, on a fêté avec mes familles. Tout s'est passé très bien. Et puis, on était heureux de passer au Nouvel An. Et ben voilà. Eh bien, le 24, on a fait un repas familial. Et puis, le 31, on était tranquillement au chalet à fêter Nouvel An. Puis, on s'est couché à 10h30. Voilà. On a vu la famille, j'ai vu la famille un petit moment. Et ensuite, voilà, après, je suis allé voir mes potes. Comme j'ai dit, on a fait la fête jusqu'au bout. On s'est réveillé le matin à 8h30, encore complètement loin, mais c'est comme ça. Pendant les fêtes, on a mangé en famille. Après, on est parti chez des amis faire un petit peu la fête jusqu'à tard. Bah écoutez, en famille, on a profité pour aller chez les parents comme chaque année. Et puis, on a partagé entre la famille de ma femme et la mienne. Voilà. Toute la famille a été malade d'une gastro-entérite. Toute la famille, de la vieille au plus jeune. C'est le plus jeune de 11 mois qui a commencé et toute la famille était au fond du lit pour les fêtes de fin d'année. Alors on en a un souvenir très bien. Mémorable. Mémorable. Tenez, ça c'est ma fille, elle y a passé aussi. À toutes, même ceux qui sont partis en vacances, ils ont été malades en vacances. Ah oui, donc, oui. Ah oui. Voilà, magnifique. Mon fils qui avait loué un appartement à Lézin avec ses enfants, ils y ont tous eu. Ah oui, alors là, c'était mémorable.